There we go. I'm so excited for this Zoom. Ashley, I can't thank you enough for being there and sharing this time with us. So we're just going to go back and forth. You speak and I translate just like one or two sentences. And then if you speak too much, I'm just going to be like waving at you so that you can stop. But I'm going to take some notes at the same time. So let me introduce you real quick. Donc, ce soir, je vous présente Ashley Rano, qui est une bombe atomique dans ce business. Elle va vous raconter son histoire, mais ça fait presque 8 ans qu'elle est avec nous. Elle est ambassadrice, millionnaire. Ça fait 6 ans qu'elle est dans le top 100 des revenus. Donc, autant vous dire qu'on va apprendre de la bonne personne. Et elle a déjà fait 8 fois son 4+1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle a déjà sécurisé sa prime de Noël. Donc, je pense qu'elle est en chemin pour la deuxième. See those faces getting excited? That's just because I said that you already did your 4+1 8 times. God, this is incredible. Like, I'm so proud of you. Congratulations. So, do you want to say something before we start? I think you can open your mic because you have... There we go. I'm really excited to be here with you guys. I have no idea what she just told you, but I am excited to be here with you all and share some tips of what is working for me. Ok, donc elle a dit, elle a aucune idée de ce que je viens de raconter parce qu'elle comprend pas le français, mais elle est trop contente de passer ce moment avec nous et de nous partager ses meilleures astuces pour que vous puissiez vous aussi réussir. Non, I'm just going to close my door because the kids are coming. There we go. Hashtag mom life. Voilà, je ferme la porte, les gamins arrivent, donc vous savez comment c'est. So, can we first start about you telling your story, like, what was your life before? How did you, how were you introduced to EatWorks? And then you a little bit of your journey. Sure. Okay, so I have been in the business for almost 8 years, but I actually heard about the business 3 years prior to joining. And I was one of those like haters or people that ignored the people that I had 2 girls that were messaging me, and I just ignored them. So if you have ever had somebody ignore you or you've been talking to the same people for a long time, drop a 1 in the comments. Ok, donc elle a dit que en fait ça fait presque 8 ans qu'elle a démarré cette activité. It's almost been 8 years for me too, so we birthday sisters almost. Donc elle a dit qu'elle a entendu parler d'EatWorks 3 ans avant d'actuellement démarrer en fait, et qu'elle fait partie de, elle faisait partie de ces haters, vous savez, les haineux qui détestent ce qu'on fait, et qu'en fait elle avait ignoré des messages qu'elle avait déjà reçus sur le business. Il y a 2 filles qui la messageaient régulièrement, donc elle a dit que si vous aussi vous faites partie de ces personnes, vous avez des personnes qui vous ignorent quand vous les messagez, mettez un 1 dans le chat. OK. OK. So I was a night shift labor and delivery nurse, working 60 plus hours a week just to pay our minimum bills, but we couldn't get ahead. And so while I was watching on the sidelines, I was stalking every move that they were making, and I was spending their money thinking that there was no way possible that it would work for me. OK. Alors, elle a dit qu'en fait, elle, elle travaillait comme infirmière de nuit. Donc, elle aidait à, en fait, à les bébés à naître. Elle travaillait plus de 60 heures par semaine. Et en fait, ces 60 heures lui permettaient à peine de couvrir ses factures, mais qu'il galérait quand même. Ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Mais que bah, secrètement, elle espionnait ses 2 filles qui la messageaient. Elle se disait, non, mais ça, jamais de la vie, ça marchera pour moi. So I finally, it took me having my 2nd daughter. We had 2 kids under, we had a 2-year-old and a newborn. And I remember looking at my student loan debt payments and thinking, we're struggling to pay these. And I remember seeing a tiny little notification online that said if I kept making my minimum payments, they would be paid off in 2030. And that would have made my newborn a senior in high school and my son a sophomore in college. And that was when reality hit me that what I wasn't changing, I was choosing. So I had to do something different. OK, alors elle a dit en fait qu'elle avait à ce moment-là 2 enfants, un bébé et un de 2 ans, et qu'en fait elle croulait sous ses dettes étudiantes, puisqu'aux États-Unis c'est assez courant de faire des dettes pour aller à l'université.
Et en fait, elle avait reçu une notification de sa banque lui disant que si elle donnait que le minimum mensuel pour rembourser sa dette, il lui faudrait jusqu'à 2030 pour finir de payer ses dettes d'étudiant. Donc, imaginez. Et qu'en 2030, en fait, son enfant le plus jeune serait en dernière année de lycée et son deuxième sera en deuxième année d'université. Et ça, ça lui est revenu en pleine figure et elle s'est dit non, mais en fait, ce que je ne change pas, je le choisis. So I didn't have the money to get started, but I took my maternity clothes and I sold them on a Facebook swap shop to a local girl, and I used that money to invest in the business. Whenever I started, I was still working 60 hours a week on night shift, and so I had obviously a different schedule than most people, and I was missing all of my son's t-ball games. So my why quickly went from debt, like we need to pay debt off, to what could I emotionally attach myself to the debt. And that was that I wanted to be the mom in the bleachers, not the mom on FaceTime. Oh my gosh, I love this, I have goosebumps. Alors en fait, elle a dit qu'elle, elle n'avait pas du tout l'argent pour démarrer, c'était impossible. Donc elle a vendu ses habits de maternité sur un groupe Facebook pour pouvoir investir dans le business. Et elle travaillait toujours 60 heures hein, quand elle a démarré cette activité. Donc clairement, comme les autres, comme beaucoup de gens, elle n'avait pas le temps. Et elle a dit que non seulement, bien sûr, son premier pourquoi, c'était rembourser ses dettes, mais elle en avait marre de rater tous les matchs de ses enfants, et elle en avait marre d'être cette maman qui ne peut pas être assise dans les gradins mais qui est obligée de faire un appel visio pour pouvoir avoir quelques minutes du match de ses enfants. Donc ça, c'est devenu un de ses nouveaux pourquoi. So I got started and I was quickly surrounded by the same type of people that I was before starting the business. I had haters, I had the skeptical people. I was from a small town, and my best friend told me that I would fail in this business. So at that point, I decided that I was going to prove people wrong. And I think in life, you can want to change your life, but you have to truly decide that you're going to change your life, whether you're just starting the business or maybe you've been in the business for an extended period of time and you're stuck, or you've lost rank, or you just don't really know what you're doing. You have to make a decision that you're going to change it, because like I said, what you're not changing, you're choosing. Yeah, I agree. I love that. Donc, elle a dit qu'en fait, le problème, quand elle a démarré cette activité, c'est qu'elle était entourée de gens comme elle était avant. Des haineux qui sont critiqués, qui sont sceptiques, qui n'ont pas le temps, qui font que de critiquer et tout. Donc, elle s'est dit, waouh, même sa meilleure amie lui a dit, mais tu vas échouer, laisse tomber, tu vas échouer. Et donc là, elle s'est dit qu'elle allait utiliser ça comme force pour leur prouver le contraire. Parce que comme elle l'a dit, en fait, on peut avoir envie de changer sa vie, mais c'est vraiment une réelle décision qu'il faut prendre à l'intérieur de soi, parce que vous soyez au tout début de cette activité ou vous soyez là depuis un long moment et que peut-être vous stagnez ou vous évoluez pas aussi vite que vous voulez, peut-être même vous avez perdu votre rang, peu importe où vous êtes dans cette activité, mais c'est une décision que vous devez prendre de changer les choses, parce que comme elle l'a dit tout à l'heure, ce qu'on ne change pas, on le choisit. So I went ruby in my first month, emerald and diamond in my second month, and triple diamond in my third month in the business, because I made a decision that I was no longer going to stay stuck in a situation where I was going to miss out on moments in my life with my children. And so we ended up paying off all of that student loan debt that I had. We paid it off that year in 10 months. And I don't know in France if you guys are familiar with Dave Ramsey, but I used the Dave Ramsey method of debt snowballing. And I wrote down every single debt we had. And so, I'm not super familiar with other cultures and how if debt is the same way that it is in the US. But I just got to a point where I had thought, this is just the cards I am dealt. And
we're just going to be in debt the rest of our life because that's what Americans do. And with the Dave Ramsey, I continued working those 60 hours a week, but every penny I was making with It Works, I rolled into our debt, starting with our smallest payment. So the smallest credit card amount we had, I paid that off first. Then I moved to the next smallest one until we could pay. We've now paid off over $160,000 in debt. Whoa. I didn't understand that first. This is crazy. Well, congratulations. Thank you. Of course, the culture is a little different, but debts are debts. Like everywhere, even in France, it's as crazy. So, donc en fait, elle expliquait qu'elle est passée rubis le premier mois de son activité. Elle est passée diamant le deuxième mois de son activité. Elle est passée triple diamant le troisième mois de son activité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Parce qu'en fait, elle a juste décidé de ne plus trouver d'excuses. Et pour elle, c'était impossible de rester bloquée à l'état où en était sa vie à ce moment-là. Et ses enfants, c'était ce pourquoi elle ne voulait pas rester dans cette situation. Et son premier objectif, c'était de rembourser ses dettes étudiantes dont elle parlait tout à l'heure. Et ils ont réussi à faire ça en 10 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, elle a dit qu'en fait, comment elle a fait ça? Elle a tout simplement suivi, alors je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous le mettre dans le chat. I think that's the way you spell it, right? Dave Ramsey? That's the way. Donc, je vous ai mis le nom d'un auteur, Dave Ramsey, qui ici aux États-Unis, il est très réputé pour en fait aider les gens à optimiser leur budget, à optimiser leurs finances, notamment à rembourser leurs dettes. Et le titre du livre, voilà, ça s'appelle Debt Snowball. Donc, il y a sûrement un équivalent en français. Vous devriez pouvoir le trouver sur Amazon. Et en fait, elle a suivi sa stratégie de remboursement de dettes. Et une des stratégies consiste notamment à marquer toutes les dettes au centime près pour avoir devant les yeux, en fait, combien vous avez à rembourser. Parce qu'elle savait que dans sa vie et avant It Works, jusqu'à la fin de ses jours, elle rembourserait des dettes et que ça, pour elle, c'était hors de question. Donc, malgré tout, même si elle était triple diamant, elle a continué à travailler 60 heures par semaine. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé que son job paierait ses factures. Par contre, tout ce qu'elle gagnait, le moindre centime avec It Works, serait destiné à rembourser d'abord les dettes. Et donc, elle a commencé par la plus petite dette qu'elle avait. Elle a remboursé celle-là en premier, puis après la suivante, et ensuite la suivante jusqu'à la plus grosse. Et ils ont remboursé $160,000 de dettes en tout. Wow, that's awesome. I love it because I always love when Mark says like it's better to sleep in a house paid for and drive a car that's paid for. So that's incredible. Thank you. So we packed up our family kind of on a whim and moved to the beach. So I live on the beach in Florida and absolutely love my life. I walked away from my nursing career almost 6.5 years ago next month. And I get to be the mom in the bleachers every single, you know, not only games, but practices too. My 2-year-old is now a 10-year-old. And my newborn that I had when I started is now about to turn 8. And we get to go to Disney next month. And that was one of our very first things on our dream board that we put after we paid off debt. That's awesome. I love it. You in Florida? I'm in Florida. We have to meet. Yeah. For sure. Okay. I'm in the panhandle though. Okay. Et donc, elle a dit qu'en fait, ils ont décidé de déménager. Donc, ils sont partis vivre, parce que vous le savez, les États-Unis, c'est très grand. Donc, il n'y a pas la mer partout, hein, évidemment. Donc, ils ont décidé de partir vivre à la mer. Donc, ils vivent en Floride. Elle a quitté son job d'infirmière il y a 6 ans. Et elle a dit que maintenant, elle est cette maman dans les gradins, non seulement pour les matchs, mais pour tous les entraînements. Elle est là pour ses enfants, que son petit de 2 ans maintenant à 10 ans, que son bébé de l'époque a 8 ans. Et que là, par exemple, bah, le mois prochain, ils vont à Disney. Et que Disney, c'était un des plus beaux en fait, rêves qu'elle avait sur son tableau des rêves quand elle a démarré. I bet you have already checked many, many dreams on that dream board. But Disney, I know Disney is one like most families want to do. And I was surprised how many people are actually not able to do it at all. So it's crazy. Yeah. So life since then, I mean, that doesn't all go to say. I went presidential the following year in 2015. I went ambassador in 2016. We were inducted into the Millionaires Club in 2016. But that doesn't go to say that things haven't been hard in my business too. It hasn't all been an uphill, like,
at the like uphill and then stayed on the mountaintop. Business is a roller coaster, and you have to be willing to understand that to stay successful, because it's not always going to be easy. Yeah, I agree. I love that you say that. So, alors en fait, elle a dit que bien sûr, après, elle a continué son chemin avec Itworks. L'année d'après, elle est passée présidente. L'année suivante, elle est passée ambassadrice en 2015. En 2016, ils ont rejoint le club des millionnaires de la compagnie. Mais elle a dit que ce qu'elle veut vraiment vous dire, c'est que ça ne veut pas dire que ça a été facile, que le chemin vers le sommet, ce n'est pas un chemin tout droit et une fois que tu es en haut, tu restes en haut. Il faut vraiment apprendre à accepter que la vie d'entrepreneur, notamment dans notre métier, c'est vraiment un... c'est le grand vide, hein, ça va. C'est ça qu'il faut vraiment l'accepter. Et elle veut vraiment que vous compreniez que ça n'a pas toujours été facile et ça ne sera pas pour nous toujours non plus. Et si on veut pouvoir avoir du succès dans cette compagnie, il faut l'accepter. Awesome. So in 2016, my enroller actually left the business and went to multiple companies. I think she's on her fourth company since leaving, but took a large portion of my team. And I had a decision to make at that point that I was either going to let her giving up on her dreams here and, you know, walking away. That I had to make a decision that, like, I'm grounded here. I believe in this company. And at the end of the day, you guys, people can hop ships to other companies, but at the end of the day, you take yourself with you. And so if your work ethic and you're not doing the things that it takes on a daily basis with consistency and doing the tasks that your leaders are telling you to, you're probably not going to do that at another company either. But so many people are tricked into the fact that things are going to be better on the other side, but they're better where you take the time to plant the seeds, water the seeds, harvest your seeds, not just continuously jumping ship, because every time you switch, you're losing a little bit more credibility. Yeah, I agree. Oh my gosh, this is so powerful. Donc, en fait, elle disait que ce qu'elle veut aussi vous dire, parce qu'elle aime bien être franche, voilà, on le sait, ce n'est pas une surprise, hein, dans le marketing de réseau, il y a beaucoup de gens qui passent de compagnie en compagnie, et qu'elle, en fait, en 2016, après qu'elle ait atteint le club millionnaire, son enrôleur, donc la personne qui l'a fait rentrer dans le business, a quitté la compagnie pour une autre compagnie en emmenant une grosse partie de son équipe, et qu'en plus, depuis, elle en est déjà à sa quatrième nouvelle compagnie, donc vous voyez ce que je veux dire, hein, je ne vous fais pas un dessin. Et elle a dit aussi que, bah, elle, à ce moment-là, elle a dû prendre une décision. Est-ce que je la laisse, cette personne, abandonner ses rêves, ou est-ce que moi aussi, j'abandonne les miens? Parce que ce qu'elle veut que vous compreniez, c'est que là, sur le coup, elle s'est sentie punie, parce qu'évidemment, elle a perdu une partie de son équipe. Mais en même temps, la réalité, elle est la suivante. Peu importe la compagnie dans laquelle vous êtes, le travail, c'est le même. Les actions à faire tous les jours, c'est le même. La régularité doit être la même. Votre éthique de travail doit être la même. Les actions du quotidien, c'est les mêmes. Peu importe ce que vous vendez, peu importe quelle compagnie vous représentez. Donc, la réalité, c'est que si vous ne l'avez pas fait chez Itworks, vous ne le ferez pas dans une autre compagnie, en fait. Et c'est, il ne faut, faut pas se laisser, en fait, leurrer par des beaux discours. Et elle dit que, en fait, quand on a compris qu'on doit semer ses graines, les arroser et attendre pour les récolter, eh ben, c'est là qu'on a tout compris. Et ce n'est pas en changeant de compagnie que ce travail-là il va être simplifié. Et elle a dit que surtout, ben, on prend l'exemple de son enrôleur qui a déjà changé 4 fois de compagnie depuis, ben, quelle crédibilité vous avez auprès des gens qui vous regardent? C'est ça la question qu'il faut se poser. Yeah, I love that. I really love that because I feel like sometimes people think the grass is greener somewhere else, but actually it's green where you water it. So, yep, 100%. So what did I do at that point? I literally lost 2 entire legs of my team. And so I decided, I got a little complacent for a little bit. I had a little bit of a pity party of like, why is this happening to me? But then I knew if I wanted something to change, I was going to have to take action. And I don't know if you guys are familiar with Amy Spence, but randomly before this business, I delivered her baby, Caroline. We met as complete strangers and we joined the business on the exact same day
not knowing the other person was under two separate teams. So since then, we have worked this business together. And at that point, we decided we were truly going to be accountability partners. And so it is so important to have somebody that's not only just going to be like that rah-rah cheerleader, but somebody who's going to call you out when you're not doing the things. And I think sometimes it's really hard for that person to be your upline or your downline. It needs to be somebody. Try to find somebody. It can be within your team, but try to find a sideline who has similar goals and a similar schedule as you, where you can work truly together. Amy and I have used Zoom like it's our office, and that these little squares are our cubicle where we can work together, and we just play music and we work. Whatever time frame we can, we do that. And I'll tell you guys what we do. Okay. Alors, elle a dit qu'en fait, à ce moment-là, elle a perdu près de 80% de son équipe. Elle a perdu deux de ses plus grosses branches. Et que ben, on le fait tous à un moment donné, quand on a atteint un certain rang, on est bien dans son confort, on ne pousse pas forcément plus d'action plus loin parce qu'on est bien là où on est. Mais quand ça arrive, eh ben, tu as deux solutions. Soit tu t'apitoies sur ton sort, ce qu'elle a fait pendant un temps, pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Parce qu'on passe tous par là, mais après, à un moment donné, on en revient à prendre la décision. Qu'est-ce que je fais après ça? Et le seul moyen de changer les choses, c'est de se remettre à l'action. Et elle a dit que tout à fait par hasard, en fait, elle a rencontré Amy Spence, qui est un autre ambassadeur de cette compagnie maintenant, pour qui elle a, en fait, c'est elle qui l'a aidé à accoucher. Et en fait, elles étaient toutes les deux enrôlées dans deux équipes différentes, donc elles ne se connaissaient pas du tout. Et elles ont décidé de devenir des binômes. En anglais, on appelle ça un partenaire comptable. C'est assez fort parce que, en fait, on doit compter l'un sur l'autre, mais ça veut dire que quand on trouve un partenaire comptable, ça doit être quelqu'un, bien sûr, qui va être ton cheerleader, qui va t'encourager, mais c'est aussi quelqu'un qui va te reprendre et qui va dire « Eh oh là, tu déconnes par contre. » Non, pas d'excuses, vas-y, t'y vas. Parce que on peut souvent avoir des gens qui vont être là pour nous encourager, mais qui ne vont pas oser nous dire les choses en face quand on ne fait pas les choses. Mais un vrai binôme, c'est quelqu'un qui va être capable de faire les deux, de vous encourager, mais aussi de vous reprendre. Et ce n'est pas forcément sa upline ou sa downline, donc la personne qui est au-dessus de vous ou qui est en dessous de vous. Pourquoi? Alors, à part si, bien sûr, vous êtes nouveau parce que vous avez besoin d'être accompagné, mais par la suite, à un moment donné, y a des choses qu'on ne peut pas descendre dans sa downline et des fois, on a besoin de quelqu'un qui est peut-être au même niveau que nous, qui a les mêmes objectifs que nous, qui a les mêmes orientations que nous. Et elle a dit, l'idéal, c'est de trouver quelqu'un qui a un planning plus ou moins équivalent au sien et des objectifs similaires pour pouvoir travailler ensemble. Et elle a dit qu'en fait, ce qu'elles ont fait, elles se sont mises en Zoom comme si c'était leur bureau, comme si elles arrivaient au travail. Et pendant qu'elles sont sur ce Zoom, elles mettent de la musique, elles ne font pas de papotage et elles travaillent. Et elle a dit qu'elle va me dire exactement ce qu'elles ont fait comme action pour changer les choses ensemble. Comme ça, vous savez ce que vous avez appliqué. OK, so let's dive into the action that you girls did together. Yes. So Host-A-Post, you guys. Host-A-Post is the absolute game changer for my business. I feel like it's the only thing in this business that is truly duplicatable. We can't teach people how to be good at TikTok. We can't teach people, you know, how to be. You can watch trainings and you can learn tips and tricks on doing TikTok and reels and different having messaging. But I feel like Host-A-Post is something that's duplicatable because you grow your network, you message. So you're asking for, you know, your customers or your distributors, but every person that I get to do a Host-A-Post for me, my Host-A-Post I do are giveaway Host-A-Post. So it quickly grows my network. And I have them do, I try to do minimum 20 a month giveaway. I'm partnering with my friend Ashley. She is giving away whatever whatever your team, if you guys do a team giveaway, whatever it is that month. I do that and I do gummies. I don't know if gummies are available and they are in France. Okay. So those are the only two Host-A-Posts I really do. Every single person who Host-A-Posts for me, whether they do a giveaway Host-A-Post or a gummies Host-A-Post,
at the end, and I can drop, let me pull this up and I'll drop what my message is, and then Vanessa can translate it later. And in the meantime, I can translate what Perfect. You said to me. Donc, en Perfect. Fait, elle a dit que pour elle, le truc qui révolutionne cette activité, s'il y avait une seule action à faire, c'est les host posts. Pourquoi? Parce qu'elle a dit que, soyons francs, qu'est-ce qu'on recherche dans ce business? En fait, on veut que les gens dupliquent. Il faut que ce soit quelque chose qui soit facilement recopiable. S'il y a quelqu'un de mon équipe qui peut récupérer les messages, ce serait parfait. Comme ça, je pourrais vous les traduire. Elle les met dans le chat. Et elle dit que la seule chose qui est 100% duplicable de A à Z, c'est les host posts. Parce que réfléchissons. Apprendre à quelqu'un à être bon à un TikTok, on ne peut pas lui apprendre à être bon à un TikTok. On peut lui donner des astuces, on peut lui donner des conseils, il peut regarder des formations, mais ça ne va pas le faire se sentir plus à l'aise ou faire ce qu'il doit faire derrière, être créatif, etc. Pareil pour les Reels, pareil pour plein de choses dans ce business. Alors que le host post, déjà, non seulement c'est duplicable parce que c'est du copier-coller, on est bien d'accord, mais surtout, ça permet d'agrandir son réseau. Et ça, c'est une des actions essentielles de cette activité si on ne veut pas être bloqué. Et la deuxième chose la plus importante, c'est parler aux gens, messager aux gens, demander. Si on ne demande pas, la réponse est toujours non. On est bien d'accord. Et elle a dit qu'elle, elle ne se casse pas la tête. Elle fait seulement deux host posts. Les host posts giveaway, donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire giveaway, c'est le tirage au sort, la cagnotte, ce que vous faites gagner avec votre équipe tous les mois. Et elle fait les gummies. Donc, pour les giveaway, elle en fait minimum 20 host posts par mois. Parce que ce qu'elle veut, c'est rapidement avoir plein de nouvelles personnes dans son réseau. Donc, 20 host post giveaway. Donc, un truc tout simple du genre en partenariat avec mon amie Ashley. Ce mois-ci, elle fait gagner, peu importe ce qu'il y a à gagner dans votre équipe. Balance, je ne sais pas quoi, ci-dessous pour participer. Donc, ça, elle en fait minimum 20. Et ensuite, tout le reste, tout ce qui va découler de ces host post giveaway et les autres host post, ça va être gummies. OK? Uniquement les gummies. Et là, elle a donné les messages, donc bien sûr, quelqu'un de mon équipe va les récupérer. Je vous les traduirai pour que vous puissiez les utiliser. Si quelqu'un peut juste me confirmer si quelqu'un les récupère pour que je sois sûre qu'on ait tout après. OK, let's keep going. So every single person you give a host post, you are about to say something about it. Yep, so every single person that does a host post for me, I ask them afterwards, I got you added, side note, basically, have you ever considered making an income from your social media? Also, any person who I talk to about a product from host to post or just from my post on my page, I send them this message prior to checking them out to let them know that I think sometimes we feel guilty to push too much or that we're going to lose the sale if we offer them the business too, because we've already hooked them on the products. But I take full responsibility that if somebody wouldn't have continued to ask me, my life would look so different today. So I am doing people a disservice. I feel like I'm being selfish if I don't offer them this opportunity as well. Yeah, I agree. Donc, en fait, elle a dit que chaque personne à qui elle demande un host post, elle a une routine qui va avec. Il n'y a pas une seule personne à qui elle ne propose pas le business. Donc, comment ça se passe? En fait, elle remercie pour le host post. Elle lui dit qu'elle va l'ajouter au tirage au sort. Enfin, elle lui dit qu'elle l'a ajouté au tirage au sort. Et là, elle lui dit, j'en profite, petite note à part, est-ce que tu as déjà pensé à gagner de l'argent sur les réseaux sociaux ou à te faire un revenu complémentaire? Peu importe comment vous voulez le formuler, elle nous a donné les messages, donc je vais vous dire ce qu'elle a mis exactement. Donc oui, petite note à part, est-ce que tu as déjà pensé à faire de l'argent sur les réseaux sociaux? Je viens juste de regarder ton profil et je pense que tu seras absolument incroyable à ça. Est-ce que tu serais ouvert à ce que je te donne quelques infos pour voir si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Voilà, donc elle ouvre la porte et ça, c'est un automatisme à toutes les personnes qui lui font un host post. Il n'y a pas d'exception. Deuxième chose très importante, I'm going to ask them to drop a three if somebody's actually already asking their product. Awesome. Yeah, and I think, too, some people get held up with that message because they see that and they think, well, I haven't had that success. I haven't walked away from my career. But you can talk, people follow people with a vision. So even if you haven't met a single goal yet,
if you tell people your goals, if you tell people where you're going, they're more willing to follow you because you're not stagnant or sitting still. So you can say, this business is going to completely change my life. It doesn't have to say it's already changed my life. Yeah, that's true. Et en fait, donc du coup, elle disait que la deuxième chose qu'elle fait automatiquement, et là, je veux que si vous le faites pas, vous mettiez un 3 dans le chat, ok? Je vais vous dire ce que c'est que chaque personne à qui elle parle des produits, peu importe s'ils sont venus par un host post ou suite à un post ou une story qu'elle a faite, automatiquement, au moment où elle a eu la validation, l'acceptation que, ok, elle va commander, juste avant de passer la commande, elle lui dit, bon, par contre, juste avant que je procède à passer ta commande, je ne voudrais pas ne pas te... Enfin, comment on peut dire ça en français? Je ne voudrais pas ne pas te rendre ce service de te demander. Ce business a complètement changé ma vie, la vie de ma famille. Et à pouvoir rester à la maison, j'ai pu arrêter mon job d'infirmière il y a 6 ans. Est-ce que tu as déjà considéré faire de l'argent ou est-ce que tu considérais faire de l'argent en même temps que tu utilises ces produits à prix réduit? Et elle a dit que 9 fois sur 10, personne ne pose cette question parce qu'on est tellement content d'avoir clôturé sa vente qu'on a trop peur de passer à côté de la vente en proposant le business. Sauf qu'elle a dit que si vous avez peur de proposer le business, vous devez juste vous rappeler ça. En fait, quand vous ne proposez pas le business à quelqu'un, vous venez peut-être de ne pas lui donner la chance de sa vie. Peut-être que cette personne, tous les jours, a pris pour une solution pour s'en sortir. Et vous avez peut-être cette solution, mais parce que... Et elle, pour elle, elle dit on est égoïste si on ne demande pas aux gens. Au final, c'est que demander, OK? Il n'y a rien de... Personne ne va mourir. Et donc, elle a dit que, bah, on ne doit pas être égoïste, on doit le proposer. Et elle disait aussi que la plupart des gens n'osent pas poser cette question. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, parce qu'ils n'ont pas encore changé leur vie. Mais le truc qu'il faut retenir, c'est qu'on s'en fout si vous ayez déjà changé votre vie ou pas, parce que vous savez que vous allez la changer. Et c'est à vous, quand vous communiquez, de dire, au lieu de dire « j'ai changé ma vie avec ce business », « je vais changer ma vie avec ce business », de parler tout simplement de vos objectifs et de ce qui va se passer dans le futur. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur ça. Quand j'ai démarré, que je suis passée d'exécutive à diamant, je disais à tout le monde que j'allais changer ma vie avec ça, que j'allais gagner tel et tel bonus, que j'allais gagner tant et tant par mois. Ce n'était pas encore le cas, mais c'est comme ça que j'ai signé énormément de distributeurs. So I was just telling them it was the same for me when I went from executive to diamond right away. It was just because I told everybody what I was going to do. I was not successful yet, but I was telling all the people stories. And that's why I got everybody excited to join me. And yeah, so everybody can do that. For sure. So do you want to dive into some questions with me and I can more directly answer? Yeah. So about the host to post. So this is everything like your system, or do you have like a specific system? Do you have like a giveaway club? Or do you get back to people? How do you stay organized with host to post? Because I know some people get overwhelmed with it. So one thing I had to learn in this business is that it's okay to do things overwhelmed as long as you do them. And if you're doing host-to-post right, you should be overwhelmed because you should never finish it. It should be something that's constantly regenerating and generating new people into your business or into your network. And so you should never truly be done with it. So I had to learn that just because I have a bunch of responses on a giveaway or, you know, something about a product or just even on my page, that sometimes I just have to put the phone down and go to bed and know that in the morning, I know exactly where to start because I'm doing it right. So it just gives me something that's a never ending. And so host-to-post is the main thing I do for my business. And when I bring a newbie in, the very first task I give them is to do a host-to-post giveaway with my name in it. And then I teach them how, instead of me responding to my friend Ashley is giving away, blah, 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 drop your favorite color, drop your birth month. We did drop your grandma's name last month, and it was crazy. I had over 1,000 comments on it. Wow. Yeah, it was crazy. But that was, I just then teach them, instead of me responding to all their people, I tell them, say, I'll message you. And then I have them send our initial message about, you know,
Thank you so much for commenting. To get an entry, it's super simple. All you have to do is put a post up on your wall and that's it. Like, and I just walk them through the steps of exactly what I do. And I don't teach them anything else, you guys. I tell them whenever they get a question they don't know the answer to, screenshot it to me and I'm going to help walk them through it. I love it. Okay, so that's pretty cool because that's what I always say to do. So I'm sure they're going to love it. Donc en fait, elle a dit que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que en fait, on a souvent peur des hostepostes parce qu'on a l'impression d'être complètement débordé, mais vous devez être débordé en fait. C'est normal avec les hostepostes d'être débordé. Et au final, on ne fait pas ce business pour que ce business y prenne fin à un moment donné. On est censé aller se coucher en ayant des hostepostes pas traités, des messages pas traités. C'est normal en fait et c'est pas grave. Et c'est comme ça qu'on travaille ce business parce que c'est un flot constant en fait qui revient. C'est des nouveaux noms, c'est un petit peu comme un entonnoir qui se remplit constamment. Et puis elle a dit c'est ok de mettre son téléphone, d'éteindre son téléphone et d'aller se coucher. Et au moins le matin quand vous vous relevez, bah, vous savez ce que vous avez à faire parce que vous avez plein de messages auxquels répondre. Et elle disait aussi que elle, la première chose qu'elle fait faire à ses nouveaux, donc ma team, elle va se reconnaître directement, c'est un host post, tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'une fois que le nouveau, il a fait un host post, donc elle va lui faire mettre son nom. Par contre, elle va lui dire en partenariat avec mon ami Ashley, le nouveau, il va dire ça. Balance ta couleur préférée, balance le nom de ta grand-mère. Et elle disait que le mois dernier, ils ont utilisé « Mets le nom de ta grand-mère », elle a eu 1000 commentaires sous le post. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, plus c'est simple, mieux ça marche. Ta couleur préférée, le nom de ta grand-mère, etc. Et en fait, une fois que le nouveau a posté ça, elle lui dit au nouveau, « Voilà, il faut répondre aux commentaires. » Elle lui apprend comment répondre aux commentaires. Après, elle lui apprend à donner le host post à la personne qui a commenté. Et une fois que les personnes commentent sous le host post, elle guide le nouveau étape par étape à comment donner les informations aux personnes intéressées. Et surtout, le plus important, dès que ça sort des scripts de base, dès qu'il y a une question qui sort du commun, ils doivent faire une capture d'écran, ils ne peuvent pas répondre tout seuls, c'est elle qui les accompagne à comment répondre. Et alors, pour mon équipe, vous savez, c'est exactement ce qu'on fait, donc c'est une bonne chose. Yeah, I love that. So that's how you start all your newbies, Hostepost right away. Yep. And I have them log into their e-suite, get off commission hold, and add them to our team page. But then I say, put this post up. I just keep it super simple. I think a confused mind instantly says no. And if we can just teach them the basics, it's just duplication then, you guys. Yeah, I agree. Donc, elle a dit qu'en fait, ça, c'est tout simplement de la duplication. Donc, bien sûr, elle leur fait faire d'autres choses à côté, aller sur l'e-suite, se connecter à la page de l'équipe, regarder formation démarrage, parce qu'elle dit qu'en fait, le problème, c'est que quand un esprit est trop confus, eh ben, il ne fait pas, en fait. OK? Elle disait que la première chose qu'on veut leur apprendre, c'est la duplication. OK, so before we dive into the 4+1, can you just share how much of the post changed everything for you? Because I know you told me that 2 years ago, you dive into Hostepost, and what did it change for you, like number-wise? I just feel like I got stuck in I maxed out my friends on Facebook. And so, you know, I had been in for 5 years at that point, and I felt stuck. I didn't have new people seeing my stuff. I tried to do Instagram, but I couldn't, I don't know. I just couldn't find my passion on Instagram. I still use it for stories, but I love Facebook, and it just allowed me to go through. I sort my friends list by my oldest. You can hit sort and then go to your oldest friends. And I just started deleting people. And the giveaway host a post allowed me to get into a broader network and bring new people into my business or into my circle. I do think you said something about organization. I don't know if you guys use collections to save. That's how I save all of mine. So it makes it super easy for follow-up too. And I can go back to last month's host a post, all my gummies post, click on those posts and go back and click on every person and follow up with them that way as well. But that's just, I mean, it allowed me to, I've never been a mass enroller for customers. I've always enrolled 5 to 10 distributors a month.
but this allowed me to truly show a duplicating system for enrolling customers. But what I wasn't doing and what changed that allowed me to continue to enroll distributors too was asking that question to every person that did a Hosta post for me. Side note, have you ever considered making an additional income too? So that way I was like knocking out both things all with Hosta post. Okay, alors je lui ai demandé parce qu'elle m'a expliqué en fait en dehors de ce Zoom qu'il y a deux ans, tout a changé pour elle quand elle était à un moment de son business où elle se sentait un peu bloquée, qu'elle a l'impression de ne plus avancer, qu'elle était au max dans ses amis Facebook, elle avait l'impression d'avoir parlé à tout le monde, d'avoir demandé à tout le monde et elle tournait un peu en rond. Et donc en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est mise à fond dans les host posts. Mais pour pouvoir se mettre à fond dans les host posts, elle a dû faire du tri dans sa liste d'amis. Donc, en fait, elle a, vous savez, sur Facebook, quand on va dans la liste d'amis, on peut les trier par du plus ancien au plus récent. Donc, c'est les plus anciens qui sont au-dessus de la liste. Et au fur et à mesure, elle a enlevé toutes les personnes, en fait, qui ne l'intéressaient pas, avec qui il ne se passait jamais rien, pour avoir de la nouvelle place dans ses amis. Et du coup, en faisant les host post giveaway, ça lui a permis de re-remplir cette liste d'amis avec des nouvelles personnes intéressées et donc de ne pas être figée avec le même réseau. Et en fait, ça lui a permis aussi, en utilisant les collections, donc ça, normalement, vous savez tous le faire, quand vous avez un host post, vous l'enregistrez dans une collection Facebook ou Instagram, et après, vous retournez dans ces collections pour faire le suivi des personnes qui ont commenté en dessous. Et elle dit que c'est ce qu'elle utilise pour faire son suivi, elle peut revenir même sur les host post des mois d'avant pour revérifier, en fait, qui c'est qui ne lui a pas répondu, avec qui ça n'a pas débouché sur une vente, etc. Elle a dit aussi qu'elle, elle est vraiment plus Facebook. Elle n'a jamais vraiment été trop Instagram. Elle l'utilise quand même pour poster et mettre des stories, mais elle adore Facebook. Donc, voilà. Et après, elle disait aussi qu'avant qu'elle démarre le host post à fond, elle n'a jamais été une enrôleuse de masse. Elle a toujours fait 5 à 10 distributeurs par mois, mais par contre, les clients, ce n'était pas trop son truc. Et le problème, du coup, ça se ressentait dans son équipe. Donc, elle s'est dit que si elle voulait apprendre à son équipe à faire des clients, il fallait qu'elle trouve un système duplicable, donc notamment le host post. Et elle dit que ce qui a vraiment tout changé pour elle, c'est de poser cette fameuse question à tous ces host posters. Donc, en fait, pour faire d'une pierre deux coups, demander à ces host posters s'ils veulent tester l'activité et aussi demander aux personnes qui sont des potentiels clients s'ils veulent aussi gagner de l'argent en même temps qu'ils testent les produits. Voilà, aussi simple que ça. OK, I love it. So, let's dive into the 4+1. How did you do that? Like, how did you first yourself? How did you do it? And then I guess we pretty much have already some answers about your duplication, but how do you do it? Like your 4+1? So, I mean, you guys, truly, it's host to post. That's all I'm doing. I know that that sounds frustrating to some people, but if you're not getting the results you want, then you just need to do it more. And I have found that my magic number is 10 a day. 10 a day, I would say minimum 5 days a week. So I average about 50 a week. And that is just what truly changed the game for me. And I will say that if you feel like you're stuck with host to post, do nothing but partnering for the giveaway host to post for your next 20, 30, however many host to posts that you want to commit to. I would say at least 20, do nothing but I'm partnering with my friend, your name, she's giving away blah, 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 blah. And what that's going to do is you're going to, I have all of them, I put the message above that I have them message me the word giveaway. That way I'm not hunting down people. And then from there, I'm having them add me as a friend. And so what that's doing is that's giving me a whole new network. So then whenever I post and I can, let me see if it'll let me share my screen. So what do you mean by having them? So the people who are actually interested, they have to send you on the host post giveaway, they have to send you giveaway and add you as a friend. Yep. Let me see if it'll let me actually show you. Can you see my screen? It's loading right now. Let me just translate what you already said and the time you just go for it. Donc, elle a dit, je lui ai demandé du coup comment elle a fait son 4+1 elle-même déjà avant de parler de la duplication, OK? Et elle a dit que en fait, son 4+1, c'est très simple. Elle l'a fait qu'avec les host posts. Donc, elle a dit, je sais ce que vous allez dire. Il y en a certains pour qui vous allez être frustrés parce que vous allez vous dire, merde, moi, je n'ai pas ce résultat.
Elle a dit que si vous n'avez pas ce résultat avec le host post, c'est que vous devez en faire plus. C'est la seule réponse qu'elle peut vous donner. Et elle a dit qu'elle, elle a trouvé que son nombre magique, c'est 10 par jour. Il faut qu'elle ait 10 host posts postés par jour pour avoir le résultat qu'elle a aujourd'hui. Et donc, ça lui fait à peu près, elle fait ça sur 5 jours par semaine. Donc, ça lui fait à peu près 50 host posts semaine. Et que si vous avez l'impression, vous, d'être bloqué, de ne pas réussir à avancer avec les host posts, la réponse magique, c'est que tous les 20 à 30 host posts que vous allez faire, ça doit être des host posts giveaway. Ça doit être des host posts pour la cagnotte, OK? OK, I'm just going to take a picture of this. Let's go. OK, so underneath all of them, then I say, please add me as a friend and send me a message that says giveaway. The ball is now in their court. They have to take the initial step to message me the word giveaway. If they don't, oh, well, I move on to the next person. I don't think about the people that don't make the effort and the people that say no. I focus on the positive and what it can do for my business. And so this puts the ball in their court by them having to take that next step. Then, let me see if it'll. So just a quick question. You just copy paste the same sentence, or you have like a couple version of this. I use it in, do you guys use the Boards app? Yeah. Okay, so I just have them saved in there, and I have a couple different, like I'll change one emoji or move the heart to the backside or something just to make it a little bit different. And I just rotate between the two messages on Boards. Okay, let me just translate that. Donc, elle a dit qu'en fait, ce qu'elle fait, donc par exemple, vous avez vu, elle vous a montré l'exemple de host post qu'elle a mis pour la cagnotte. On est bien d'accord, hein, on ne parle pas d'autre chose. Et que sous ce post cagnotte, en fait, ce n'est pas elle qui va messager les gens. Sous les commentaires des personnes qui vont, par exemple, s'ils ont demandé le host post, tu dis, mets le nom de ta grand-mère en dessous. S'il y a le nom de la grand-mère, elle va lui dire, ajoute-moi en ami et envoie-moi le message giveaway. C'est à eux de faire la démarche d'aller vers elle parce que elle se focus sur le positif. S'ils ne font pas l'effort de faire ça, elle n'a pas de temps à perdre avec eux. Et voilà. Et elle a dit aussi qu'elle fait ça dans le sens où, alors bien sûr, je sais ce que vous allez vous me dire, on ne veut pas copier-coller 36 000 fois pour ne pas être bloqué. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que dans son board, elle a enregistré plusieurs versions de la même phrase dite de manière différente, okay, avec l'emoji à une place différente, etc. Et en fait, tant que les gens n'ont pas message et giveaway, elle ne les contacte pas. C'est à eux, c'est la balle dans leur camp, comme elle a dit. Okay, so I put the message, my first message that I send. So she messaged me giveaway on Monday. I got blocked from Messenger yesterday, so I had to respond to a bunch of people today. But I messaged her. It shows that she read it, so I just followed up with her. But after that, I'm not going to say anything else to her unless she responds back to me, and I just move on. Donc, elle a dit que, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'une fois que la personne, elle a envoyé giveaway, elle lui envoie un message qui explique le principe. Si la personne, elle répond pas, elle fait une fois le suivi. Si elle répond pas, elle passe à autre chose. Okay, so the next thing, if you're going to do those 20 plus or however many partnering for the giveaway, what's going to happen is you're going to start having a bunch of new friends. And so what I do now, it's a new feature. You can pin a post to your Facebook. So I just posted this one an hour ago, but it's a gummies post. But let me scroll down and show you the one I unpinned that's got... Non, while you're looking for it, I'm just going to translate what you said. Go ahead. Elle a dit, en fait, ce qu'elle fait maintenant, c'est que là, si vous allez vous mettre à faire les 20-30 host posts du giveaway, OK, vous allez avoir beaucoup de nouveaux amis, beaucoup. Et maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité sur Facebook. Vous pouvez épingler un post tout en haut de votre profil. Et donc, elle va vous montrer ce que ça fait. D'ailleurs, si vous allez sur mon profil, vous pouvez le voir, mon giveaway, il est épinglé tout en haut de mon profil. C'est la première chose que les gens voient en arrivant. Okay, so which one did you... So I had this one pinned. It's the exact same verbiage. I just had different pictures with it. And then I go through, that was on the 15th. I just unpinned it today. So 4 days ago, I left it up for 4 days. It had 34 people interested. And just every couple of, you know, like every day I put...
six spots left, three spots left, and just kept engaging on it. So it boosted it back up. But new people coming to my page were then seeing that as the first post on my page. So I wasn't having to do product host to post because I had new people coming to my page immediately that were seeing a product, if that makes sense. Yeah. Donc, en fait, elle a dit que du coup, ce qu'elle a fait, elle, c'est qu'elle a épinglé ce post que vous avez vu avec les gummies. Donc, en fait, c'est toujours le même post, le même texte qu'elle utilise. Des fois, elle change quelques mots mais, et elle change les images, juste des images lambda de bonbons, OK, pour que ce soit joli. Et elle épingle ce post pendant plusieurs jours tout en haut de sa page. Donc, à chaque fois que ses nouveaux amis arrivent sur sa page, ils voient ce même post de gummies, OK. Et du coup, là, elle a dit qu'elle a eu 34 personnes intéressées sous ce post-là en 4 jours. Et donc, ce qu'elle fait, elle ne répond pas à tous les commentaires en même temps. Elle le fait un petit peu tous les jours pour à chaque fois remonter le post et lui redonner, le rebooster en fait dans l'algorithme. Et ce qu'elle fait aussi, c'est que tous les jours, elle dit il ne reste plus que 6 places, il ne reste plus que 3 places, etc. pour faire remonter le post et pour donner en fait un sentiment d'urgence. OK, so the other thing I will tell you guys that I have changed this month is that now that Facebook has Reels, that has exploded for me. I dove in head first. I don't know if you do TikTok already, I highly recommend that you just take some of your TikTok videos and you copy the link to your TikTok video and go to this website and drop your TikTok link here and it will download the video. You do it from a phone. It'll download the video for you and then you just... It's only in US and Canada right now, but I think it's going out in like 30 to 60 days in Europe too. So they should be able to get ready for this. No, but I'm still going to tell them because that's interesting. And yeah. Still, if you do TikTok, you can put it on Reels and... Yep. Only 30... They're only 30 seconds on Facebook, so it makes it a little different than TikTok. But you could go ahead, I mean, and be ahead of the game and go to your TikTok and go ahead and download these through this app so you can take the watermark off of it. But I went from about 7,000 followers to over 12,000 followers in the last 2 weeks because of Facebook Reels. I did nothing different. I didn't make a single Facebook reel. I did them all off of old TikToks. They won't let me show them to you, I guess, through a... Yeah, I don't think we can see it from the computer, but yeah, I'm going to tell them. Donc, en fait, elle disait que là, OK, sur TikTok, sur Facebook, pour l'instant, vous n'avez pas encore les reels en Europe, mais ça va arriver d'ici un mois ou deux. Donc, le conseil qu'elle vous donne pour vous préparer un peu à l'avance, c'est qu'à chaque fois que vous faites un TikTok ou un Reel, vous le sauvegardez dans votre galerie et le site qu'elle vous a montré, mais il existe aussi des applications comme Snaptic, etc. Vous pouvez télécharger le TikTok ou le Reel sans le marquage, d'accord? Donc, TikTok, il y a la marque TikTok dessus. Il faut savoir un truc, Facebook n'aime pas une vidéo TikTok, n'aime pas une vidéo Instagram, Instagram n'aime pas une vidéo TikTok, etc. Chaque application doit avoir le sentiment que vous postez originalement de chez eux. Donc, vous téléchargez tous les TikTok que vous faites sans le marquage dans votre téléphone grâce à cette application ou ce site pour pouvoir les mettre sur les Reels Facebook quand ça va ouvrir. Vous pouvez les mettre aussi sur Instagram et inversement. Alors, petite astuce, sur Instagram, vous avez la flèche sauvegardée. Avant que vous tapiez le texte, vous avez une petite flèche pour sauvegarder votre vidéo dans votre galerie avant qu'il y ait la marque Instagram. Mais là, pour en revenir à ce qu'elle disait, sur Facebook, maintenant avec cette option Reels, elle est passée de 7000 abonnés, parce que vous savez que les gens peuvent s'abonner à vous, pas être amis avec vous. Elle est passée de 7000 abonnés sur Facebook à 12000 en quelques jours juste aux Reels. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait d'exceptionnel. Elle a juste copié des TikTok qu'elle avait déjà fait, qu'elle a mis sur Facebook Reels. Donc, voilà, aussi simple que ça. Donc, elle a dit que si vous voulez déjà gagner de l'avance, à chaque fois que vous en faites un, vous le sauvegardez, vous le gardez dans votre galerie. Comme ça, quand ça va sortir, vous aurez des semaines et des semaines de contenu à l'avance. That's awesome. I can't wait for them because they're actually like ahead of the game, you know? Yeah.
Yeah, you guys already will know what to do. But I do the same thing with Instagram Reels too. I've never made a single Instagram Reel. They're just TikTok videos that I took the watermark off of. Et donc, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle a fait aussi pour Instagram. En fait, elle récupère ses TikTok et elle les poste sur Instagram en Reels. Elle enlève juste le marquage, voilà, pour qu'il y ait plus de visibilité. OK, so that's the... Elle a dit que c'est tout ce qu'elle a changé, en fait, dans son, dans sa communication pour le 4 puissant. Et voilà, vous l'avez compris, elle l'a fait 8 fois. So how did you get... I guess I pretty much know you're going to say Hostepost, but besides Hostepost, what did you do so that your people already like... work right away from day one, they go fight, because you know how it is, sometimes people they have excuses and they start a week after or something like that. I encourage them within 24 hours, I want to be on a Zoom or a FaceTime with them, preferably Zoom, so I can share my screen, show them how to save collections with their Hostepost, show them the simplicity of using Hostepost and using the Boards app. So just really showing them how to navigate, but then just teaching them that it's simplicity. And if you can get your 10 Hostepost up a day and you're willing to listen, but I think I'm not a phone person. And so this 4-in-1 has had to really step me outside of my comfort zone just from Messenger and getting face-to-face with my new distributors and letting them, you know, have that one-on-one communication with me through Zoom, you know, calling one of my new distributors, the first one that got her 4-in-1. She is a trainer at a gym. And she would, if my phone rang and said Tamara on it, I knew she was about to hand the phone to a stranger. And so she would call me and she'd say, I have somebody that I want to do this business with me. Will you tell them about it on the phone? And so I just had to get out of my comfort zone and tell them, put me on three-way calls, put me on Zooms, let me do the talking for your people, because you're in a time-sensitive crunch period. But I'm also very driven by money. So you tell me how I can make quick money and I'm gonna do it. So that's, I just got, realized I had to get face to face with them. I love it. Alors elle a dit en fait que, bah vraiment la question c'est de savoir comment elle a fait pour que ces gens aient du pic comme elle. Hein. Ok, on a compris comment elle faisait son 4 plus 1, mais comment elle fait ça avec ses nouveaux distributeurs et surtout pour qu'ils se mettent tout de suite au travail pour eux aussi faire le 4 plus 1. Parce qu'on sait qu'ils ne démarrent pas toujours tout de suite, etc. Et donc, elle disait que, elle, ce qui a fait la différence, c'est de les avoir rapidement, donc si possible, dans les 24 heures au téléphone, de préférence Zoom, d'accord, pour qu'ils puissent se voir face à face et pour qu'elle puisse partager son écran et montrer à quel point c'est facile de naviguer sur son groupe, dans Board, de faire des Hostepost et de leur faire comprendre la simplicité des Hostepost, que si tu arrives à en faire 10, tous les jours, en fait, tu as compris tout ce qu'il faut faire dans ce business. Et elle disait que cette connexion, en fait, cette possibilité d'être en communication constante avec ses nouveaux distributeurs, c'est ce qui a fait la différence. Mais elle a dit qu'elle, c'est pas du tout, elle n'aime pas le téléphone, en fait, elle déteste ça. Donc ça a vraiment été un gros changement pour elle de prendre les gens au téléphone, de les avoir face à face et d'avoir cette connexion physique et après de continuer cette connexion à travers les messages, mais que c'était important. Et elle a dit que notamment, là, la première qu'elle a rentrée avec son 4 plus 1, qui est en fait une coach sportive, en fait, ça, c'est une personne qui rencontre beaucoup de gens physiquement. Et donc, dès qu'elle avait quelqu'un à qui elle avait envie de proposer ce business, elle appelait Ashley et elle lui tendait le téléphone à la personne pour lui dire « Explique-lui le business, qu'est-ce que c'est ce qu'on fait ?» Elle a dit, donc, elle a dû vraiment sortir de sa zone de confort. Parce que bah, déjà, elle n'a pas le téléphone. Alors là, il faut que tu expliques à quelqu'un qui est pour ton nouveau distributeur. Et donc, en fait, elle a donné cette accessibilité à faire des appels à trois, si possible. Et elle a dit, elle, pour elle, ce qui a tout changé, c'est ça. C'est cette connexion, montrer comme c'est simple de dupliquer et passer des appels, en fait. Hein, rester connecté physiquement avec ses distributeurs. Et elle a dit qu'elle est orientée argent. Donc, pour elle, quand elle a compris qu'avec ce 4 plus 1, bah, on peut tous gagner de l'argent, eh bien, il faut qu'elle le fasse, en fait. Il faut qu'elle montre aux autres comment on gagne cet argent. Il faut qu'elle le fasse pour elle-même.
I love it because one of my new girls on my downline is on here asking questions because you guys, she's only been in the business 6 days and she's already completed her 4-in-1. Woo, and it's because her enroller is getting her on the phone and having her do 3-way calls with people. They are group messaging. And she told me earlier that she has talked to more people in the last 6 days than she has talked to probably in her entire life. So it's just opening your mouth. You just have to be willing to open your mouth and do the things. And it's what, like I said in the beginning, what you're not changing, you're choosing. So if you choose to sit still, you're going to stay in the same place. If you're content with where you're at in life, then that's your choice. But most people are not content or they wouldn't sign up. You don't sign up because you're bored. You sign up because you have a goal, you have a dream. And so you have to make the decision that you're willing to do something different. You're willing to do something outside of your comfort zone if you truly want to see your life look different. That's true. Congratulations, Ellen. I don't know if I say your name right, but I see you. Donc en fait, elle a dit ce qui est absolument incroyable, c'est qu'elle a une de ses nouvelles distributrices qui est connectée à ce Zoom, même si c'est dans les deux langues, elle s'appelle Hélène, vous la voyez là, elle est connectée. Ça fait que 6 jours qu'elle a démarré cette activité et elle est au téléphone tout le temps avec son enrôleur. Elle a déjà fait des appels à 3 et surtout, elle a dit qu'en 6 jours, elle a parlé à plus de personnes que toute sa vie. Donc, elle a dit en fait, Ashley, que tout ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que vous devez avoir votre bouche ouverte. Ce n'est pas en n'ouvrant pas votre bouche que le business il va marcher. Encore une fois, elle le répète, c'est sa phrase fétiche. Ce que vous ne changez pas, vous le choisissez. Si vous vous contentez de la place où vous êtes aujourd'hui, il n'y a rien qui changera. C'est à vous de décider de ne pas vous contenter de là où vous êtes parce qu'elle dit que c'est personne n'a démarré pour ne pas gagner d'argent ou ne pas réussir ou ne pas changer sa vie. Si vous avez eu à un moment donné ce petit déclic de vous dire je signe, c'est parce que vous avez des objectifs, c'est parce que vous avez des choses à changer. Donc, elle dit que il ne faut pas rester à la place où vous êtes et il faut y aller, quoi. Encore une fois, c'est prendre la décision de faire les choses différemment. C'est prendre la décision de demander, c'est prendre la décision d'ouvrir sa bouche parce que sinon, vous resterez exactement là où vous êtes assis en ce moment et vous n'avez pas démarré cette activité pour rester assis là où vous êtes assis en ce moment. I just love it so much. So, I don't know, do you want to add anything about the 4+1? Like, because I think you already got your Christmas cash, right? Once, almost yep. Getting to the second one. Yep, I'm working on my second one, and I actually enrolled a distributor while we were on here, so that's my fourth one for the month. Oh my lord! Elle a dit qu'en fait, je lui dis donc, je crois que tu as déjà validé un bonus de Noël, donc vous le savez, quand on fait un 4+1 avec son distributeur, fait un 4+1, qu'on a fait 3 blocs, on reçoit 3 500 $ de bonus de Noël. Donc, elle a déjà validé une fois, là, elle est en train de valider une deuxième fois. Elle a dit pendant qu'elle parle là avec nous, elle vient de signer un autre distributeur, donc elle a encore validé à 4+1. So, oh my gosh, this is a congratulations, like this is so cool. So, thank you. I would just say, you guys, sometimes you have to do this business in sprints. And the business as a whole, I feel like, is a marathon. And you have to be willing to have kind of a set pace. You can't go 100% all the time, but if you can find out what can be normal for you, but then when stuff like this is brought out, you have to be willing to go above your normal. You have to be willing to step on the gas a little bit because you know it's just for a small amount of time. It's not year round. It's not for 10 years. It's for, you know, we're getting 3 months to do it. And if I earned my first Christmas cash in 27 days, you guys, you still have more time than that right now. So don't count yourself out. I think that's the biggest thing is people feel defeated and they give up. But don't let the distractions. Stephen Furtick, I know he's in English. He's a pastor in the US. But I got a 1-minute message from him, email, YouTube the other day, and it said that the devil, if he can't take you out and make you feel defeated, he will distract you. And it is so easy to get distracted and to start comparing. I don't want you to compare yourself to me because I've already earned the Christmas cash. I want you to see it as because she did it, I'm not going to give up because I can do it too.
So don't count yourself out. Run hard for the time that is left. I think, let's see, we've got 52 days left, 52 days left to earn Christmas cash. So that's over almost double the amount of time of what it took me to earn it once. And I'll earn it again because I made the decision that I'm going to. I could say like, I already did it. I'm just going to chill out now and enjoy this, you know, period. But instead, I'm going to do it again because it's a possibility. And also, the company has never paid out a cash bonus in a one-time increment. So the way that I look at it is by me not offering this opportunity to everybody. I don't know if y'all have Thanksgiving in France. I feel so uneducated right now. No, okay. Don't, but it's fine. It's fine. But in the US, what if this little bit of extra money allows somebody to buy a Thanksgiving turkey that they weren't going to be able to buy? What if this allows somebody to buy Christmas presents for their kids that they were going to have to come up with a reason why their kids didn't get any Christmas presents? We have an opportunity to change people's lives. And when you change your mindset, instead of thinking, oh my gosh, I'm annoying these people. I'm so annoying. I just post the same thing every day. This isn't working. Think about the fact that you could truly, even if it's one person, you could change. You have the ability to change one person's life, because the person that really like kind of screwed me over after I was in this business by bringing me in, I can't be mad at her because at the end of the day, she changed my life. So if people walk away from your business, if your leader has walked away from this business, know what you have your hands on. Don't look left. Don't look right. Don't compare yourself to other people. Put your blinders on and focus at the goal ahead and go get it. It's just a decision that you're going to. Yeah. Oh my gosh, this is so good. Donc elle a dit que ce qu'elle veut que vous reteniez, c'est que on vous entendait souvent dire que ce business, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Mais que dans ce marathon, il y a plein de petits sprints. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez trouver en fait votre rythme de croisière, celui qui est normal, sur lequel vous pouvez tenir toute l'année, qui ne va pas être 100%. Okay, on ne peut pas être à 100% tout le temps. Peut-être que c'est 70, que vous allez faire toute l'année, mais il y a des périodes dans ce business, parce que vous allez vouloir avoir une promotion, un bonus ou autre, vous allez appuyer à fond sur l'accélérateur et vous allez être à 400%. L'essentiel, c'est que quand vous équilibrez les deux, vous avez votre rythme de croisière. Et dans des temps comme celui-là, des moments comme celui-là où on a un bonus sur la table de 5000 balles avant Noël, c'est là où on appuie sur l'accélérateur et qu'on tape son sprint. Peu importe si on est fatigué, peu importe ce qu'on traverse, parce qu'on n'a pas cette opportunité tous les jours. Et donc, c'est ce qu'elle veut que vous reteniez. Après, elle veut vraiment vous avertir sur le fait que ce qu'elle raconte là, et c'est pour ça que je l'ai interviewée, c'est pas pour que vous disiez « Oh là là, mon Dieu, elle a fait 8 fois, là là là, j'arrive pas, oh bah alors si elle a déjà fait autant, moi c'est mort, je vais pas y arriver. » En fait, le but de ce Zoom, c'est pas ça. Le but de ce Zoom, c'est pas de vous disqualifier d'office ou de vous comparer. Le but de ce Zoom, c'est de vous dire « Elle l'a fait en 27 jours. » En 27 jours, elle a fait son bonus cash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il vous reste 2 fois 27 jours pour aller chercher votre bonus de Noël. D'accord? Ça veut dire que vous avez encore 2 fois la même chance qu'elle a eu d'aller chercher ce bonus-là. D'accord? C'est ça que vous devez retenir. Donc, si vous ne l'avez pas encore aujourd'hui, si vous n'avez même pas encore votre 4+1, ce n'est pas grave. Vous foncez, vous commencez maintenant parce qu'elle vient de vous donner exactement la recette, comment elle a fait. Et elle a dit que le plus gros problème, en fait, c'est que quand on n'a pas atteint les choses dans l'ordre où on a envie de les atteindre ou qu'on ne les a pas atteints aussi vite qu'on voudrait, on se disqualifie, on abandonne et on ne se bat même plus pour cet objectif parce qu'on se dit « c'est trop tard, j'aurais dû commencer il y a un mois ». Mais non, vous avez 2 fois le temps qu'elle a eu pour faire son premier Christmas cash. Donc, qui c'est qui est d'accord avec moi? Peu importe où vous en êtes, vous allez encore le faire. Mettez-moi un 4 dans le chat si vous allez chercher votre bonus de Noël, peu importe où on en est aujourd'hui. Il reste un mois et demi, quoi. Il reste 52 jours. Ensuite, elle a dit que... alors, je vais vous le mettre... can you just type Stephen Furtick in the chat so that they know how to spell it? Donc, en fait, Stephen Furtick, c'est un pasteur très populaire ici aux États-Unis. Vous savez que les Américains sont très croyants. Donc, Stephen Furtick, c'est quelqu'un de très inspiré, très inspirant. Je vous conseille fortement d'aller voir sa chaîne YouTube et je suis sûre qu'il y a des vidéos sous-titrées.
Et elle s'est notée, en fait, quelque chose qu'il a partagé. Il dit que le diable, le démon, les mauvaises énergies, peu importe comment vous l'appelez, quand il ne peut pas vous rendre disqualifié, quand il ne peut pas vous faire échouer, qu'il n'arrive pas à ça, et ben il va vous distraire. Il va vous distraire du chemin auquel vous êtes destiné parce qu'il n'a pas réussi à vous faire abandonner, il n'a pas réussi à vous faire échouer. Donc, il va se battre pour que vous regardiez à droite, à gauche. Et ça, c'est notamment, par exemple, se comparer. Regardez ce que l'autre, il a fait, qu'elle, elle fait mieux que moi, que, etc. Donc, ne vous laissez pas distraire. Mettez vos œillères, gardez les yeux rivés vers l'avant. Parce que cette mauvaise énergie, le diable, appelez comme vous voulez, les gens qui vous veulent du mal vont tout faire pour que vous n'arriviez pas à ce but-là. Et c'est à vous de garder les yeux rivés vers l'avant et de foncer vers votre objectif. Et donc, elle dit aussi que c'est la toute première fois, et je le confirme parce que comme elle, ça fait 8 ans que je suis dans cette compagnie, c'est la première fois qu'It Works paye un bonus cash. On a eu beaucoup de bonus dans cette compagnie, mais ce sont des bonus qui ont toujours été payés sur 12 mois, 24 mois. Jamais, jamais cash comme ça, pistache pour Noël. Ça, c'est incroyable d'avoir, vous rendez compte, 5500 balles créditées sur votre compte, c'est un truc de taré en fait. Et elle dit que quand on a une opportunité comme ça à saisir, bah, c'est le moment où on tape son sprint, c'est pas le moment de se reposer, à moins que vous avez vraiment décidé que vous ne les voulez pas. Et elle dit que, bon, alors elle sait qu'en France, on n'a pas Thanksgiving, donc vous le savez, ici, il y a Thanksgiving en novembre, c'est une fête très importante ici aux États-Unis, c'est le moment où on donne sa gratitude, on célèbre la gratitude de tout ce qu'on a dans la vie, et il y a la fameuse dinde traditionnelle. Elle dit que, ben, en partageant cette activité ici, elle se dit qu'elle va peut-être mettre une dinde sur la table de quelqu'un pour Thanksgiving, de quelqu'un qui ne peut pas s'acheter à manger. J'ai des frissons quand je vous dis ça. Mais ça peut être aussi qu'une maman qui ne peut pas acheter de cadeaux à Noël, et ben, qui peut-être, au lieu d'avoir à trouver une excuse de pourquoi elle n'a pas acheté les cadeaux à ses enfants, et ben, elle sera heureuse de pouvoir dire « je l'ai fait grâce à ce business, grâce à ce bonus ». 3500 balles, ça changerait la vie de beaucoup de personnes autour de vous. Elle a dit « grâce à cette activité, on a l'opportunité de changer des vies ». Alors, peu importe si vous vous dites « mais je suis ennuyeuse, j'ai rien à dire, oh là là, ça va saouler les gens quand je parle de mes produits, et je les saoule à toujours dire la même chose, je raconte toujours les mêmes trucs ». En fait, on s'en fout que vous soyez ennuyeux ou pas, parce qu'elle a dit que si elle, quelqu'un n'avait pas été ennuyeux avec elle, elle n'aurait pas changé sa vie. Même si aujourd'hui, cette personne, elle a quitté la compagnie, elle a fait 36 000 trucs, elle lui a volé une partie de son équipe, elle ne lui en veut même pas, vous savez pourquoi? Parce qu'elle a été la personne qui lui a envoyé le message qui a changé sa vie. Donc, soyez ennuyeux. On s'en fout que vous êtes ennuyeux parce que vous avez un cadeau à offrir aux autres. Et comme elle l'a dit, en fait, vous avez ce cadeau de changer la vie à quelqu'un. Donc, bah, en fait, mettez vos œillères et foncez. That was, oh my gosh, incredible. Last tip you want to share with us or last thing you want to share before we just close up, and thank you so much. It's always a little longer because I have to translate. Oh, you're fine. You're fine. My kids just got off the bus and they were like, what's happening? I typed it in the comments and I used Google Translate, but you guys just go out and do it. Make the decision you're going to do it. You absolutely can. And go work just a little bit harder than you have in the past and know that it's possible. Voilà, and thank you so much for having me. You're so welcome. Donc, elle a dit que la dernière chose qu'elle voudrait vous dire, c'est que donnez juste un petit peu plus que ce que vous avez donné les derniers temps. Travaillez un peu plus dur. Donnez plus de vous-même et allez chercher ce bonus et laissez-la aujourd'hui vous inspirer à faire la même chose. Elle vous a mis un petit mot en français dans le chat. Elle a dit, désolée, ce n'est pas traduit parfaitement. Elle a cherché sur Google. Et voilà, juste défoncez-vous et allez chercher cet objectif. Thank you so much. I appreciate you. I appreciate the time you took for us. And I'm really sure that everybody really loved it. So thank you. Merci tout le monde d'avoir été là. Vous pouvez lui mettre un petit mot dans le chat. Franchement, elle a été incroyable. J'espère que ça vous inspire à aller décrocher ce bonus et à aller vous battre pour cette activité. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye, guys. Bye. Salut tout le monde.